Aujourd'hui, on va parler de comment organiser notre chez-soi pour pratiquer le yoga ensemble. Je vous invite à avoir un tapis, ça peut être n'importe quelle marque, vraiment un tapis, peut-être assez épais, selon la sensibilité de vos genoux, entre autres, ou de vos poignets. Donc, un tapis de yoga. Il y a différents outils que vous pouvez avoir aussi, un bloc de yoga, mais ça peut être un livre, ça peut être un dictionnaire aussi, quelque chose d'assez solide. Je vous invite à avoir une couverture. Encore là, c'est une couverture qui est assez pesante. Moi, j'aime bien. Des fois, ça nous permet de nous sentir plus en sécurité. On peut s'asseoir sur la couverture. On va l'utiliser pour quelques pauses. Également, huile essentielle. Si vous en avez, si vous êtes adepte comme moi, huile essentielle qu'on peut placer sur nos poignets un petit peu dans notre cou ou qu'on peut avoir en diffusion. Donc, c'est vraiment créer un espace pour vous sentir en sécurité, vous sentir bien. Idéalement, peut-être loin de la maison et de tous les bruits. Donc, si vous pouvez avoir un espace juste pour vous, ce serait super. Vraiment, vous accorder 60 minutes pour vous. Aussi, moi, j'aime utiliser la sauge, des bâtons de sauge pour qu'on puisse nettoyer l'espace, créer vraiment une belle atmosphère. Et des chandelles. Les chandelles, ça reste un must. Si vous en avez, je ne veux pas que vous ayez acheté nécessairement tout ça, mais si vous avez des chandelles puis vous voulez les placer autour de votre matelas, ça aide grandement à créer un climat de bien-être. Puis pour l'habillement, ça me fait penser, habillez-vous confortablement. Vous pouvez avoir pantalon, vous pouvez avoir des choses de yoga ou vraiment juste les vêtements, là, un pyjama, ça peut faire. Quelque chose que vous allez être à l'aise de bouger. Et peut-être toujours avoir un chandail près de vous parce que lorsqu'on fait la méditation finale et le shavasana sur le dos, c'est bien d'avoir chaud.